Mais voilà, alors ce soir, c'est une grande soirée. Là, nous sommes à la Piedra Discothèque, l'endroit où il faut être pour être officiel à Paris. Exceptionnellement, ce soir, c'est la soirée Sapé Sapé. Moi, je ne suis pas un sapeur, je suis un élégant, un dandy. Ben, lui, vous connaissez certainement son père, c'est le fils Sam Abou Dominique. Il est footballeur. Actuellement, tu joues où en fait? Je joue au Havre. Au Havre. Donc, incessamment, bientôt, vous allez voir ce visage-là dans Téléfoot et consorts. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est la soirée Sapé Sapé. C'est quoi ton idée par rapport à la SAP en fait? Franchement, j'ai pas trop grand chose à dire parce que je suis pas trop un sapeur, moi. Je suis plutôt dans la normale. Dans la normale. La normalité, ouais, ça donne un petit nœud papillon, chemise coton. Voilà, c'est ouais. Ça, c'est important. Alors, viens. Aujourd'hui, c'est le grand ramdam, le buzz. Alors, voilà, alors, t'es là pour quoi ce soir? À la venue par rapport à la soirée Sapé-Sapé de Serge Bendo. Mm-hmm. T'es là pour l'artiste ou bien t'es là pour le match vu, le côté, sap, tout ça? Non, on est là pour l'artiste, on est venu juste regarder le spectacle. Ah bon, mais quand même, t'as mis quand même des semelles rouges, non? Ouais. Soulève les semelles quand même. C'est des vrais. Voilà, le boutin. On passe à la don champagnard. À la don champagnard, c'est-à-dire? Bon. Comme il y a une semaine, il y a eu Arafat qui a dit qu'il y avait des fausses recrutées, qui a eu à critiquer les recrutées. Ah d'accord. Voilà. Et donc Champagnard, c'est qui lui? C'est le manager, ce qui paraît le manager de l'Ivoire. Ah donc tu es venu corriger ce soir donc voilà, Champagnard. Justement. Et toi tu veux le saisir en fait. Ah d'accord. Au niveau... comme nos papas, c'est-à-dire le Benito de l'homme, des hommes très élégants. Voilà. Donc il faut mettre un peu de respect dans. D'accord. Donc présente-toi et puis. Je suis le général Bishop. Le général Bishop. Ah oui. Bishop. D'accord. Allez, merci. À tout à l'heure. Bonsoir, nous sommes en face d'un garçon que je respecte. Il est humble, dans son petit coin, mais il a pas un travail monstrueux. Doudou Sticker. Alors, Doudou Sticker, qu'est-ce qui t'emmène ce soir à la Piedra Discothèque? Je suis venu pour la Piedra. C'est une grande discothèque de Paris, je suis de passage, donc je suis venu pour mes affaires et j'ai passé boire un coup avec des amis, d'autres avec Yvan de Bordeaux et d'autres amis. J'ai vu qu'il y a Serge Bendo qui joue ce soir, je vais passer ce soir pour moi. Étant un grand promoteur africain reconnu sur le plan du spectacle ici en Europe, par rapport à l'artiste qui va prester ce soir, Serge Bendo, est-ce que tu as des tuyaux pour lui? Parce que voilà, je tiens à vous dire que ce garçon, il n'est pas sectaire, il n'est pas communautaire. Il ne se limite pas... excusez-moi, moi j'ai la grande gueule, je dis haut et fort ce que certaines personnes ne pensent pas. Il n'est pas seulement dans la communauté ivoirienne africaine. Il a fait dernièrement un grand spectacle en Suisse. Et ce spectacle, même, il y a eu les échos dans le journal télévisé, genre TF1, France Télévision. Alors, ce soir, par rapport à l'artiste, t'as des tuyaux pour lui ou pas? Ouais, en tout cas, l'artiste Serge Bendo, c'est un artiste pour moi. Parce que d'abord, c'est un artiste complet pour moi, en tout cas. Parce que non seulement avec ses talents de chanteur, il est aussi arrangeur. Et voilà quoi, il a plusieurs cordes à son arc. C'est un artiste qui est vraiment complet, que j'encourage vivement en tout cas sur ton travail. Et ton prochain coup, c'est quoi en fait? Mon prochain coup, en fait, c'est une tournée que je vais ramener des artistes ivoiriens. Là, je ne vais pas dévoiler les noms. Des artistes ivoiriens qui vont d'abord faire une tournée avec des écoles sur le côté de la Suisse en fait. Des open mic et tout ça. Travailler avec des artistes suisses. Du côté des festivals et tout ça. Ah d'accord. Et dernièrement, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ça. Il y a eu des échos par rapport à un promoteur africain. Voilà. Je ne vais pas nommer la personne. Tout est rentré dans l'ordre ou ça continue? Malheureusement, non, pas encore dans l'ordre. Là, nous sommes au pied de la justice argentine, la justice française. Et donc, actuellement, voilà, on attend que le moment soit juste soit fait. Et quel conseil tu peux donner aux promoteurs, africains pour
pour ne pas qu'il reste que sectaire. Comment toi t'as fait pour pouvoir entrer en contact avec les majors, tout ça? C'est quoi le... Ce que je peux dire aux promoteurs africains, c'est tout d'abord côtoyer les autres cultures, ça c'est très important. Voilà, faut pas rester pas très dans sa culture soi-même. Moi je suis ivoirien, c'est clair, mais j'aime la musique ivoirienne, mais en même temps, faut côtoyer les autres cultures, faut s'approcher des autres, voilà. Ça fait partie du contact et tout ça, quoi. C'est gentiment que... Voilà. Et t'as l'impression que les promoteurs ivoiriens, en général, sont très fermés, en fait. Ils ont du mal à avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à d'autres cultures. Bon, disons l'euro est fort. Ouverture d'esprit, je le dirais pas. Okay. Ouverture d'esprit, je le dirais pas, parce que c'est tout à fait... C'est subjectif. Chaque promoteur a sa manière de voir les choses. Un petit peu. Donc moi, personnellement, ma vision du showbiz, ma vision de la culture, c'est une culture d'ensemble. Moi, en Suisse, ce que je fais, c'est l'intégration par la culture. C'est des artistes étrangers, qui sont ivoiriens, camerounais ou congolais, qui représentent la vitrine africaine. Les envoyer en Suisse, faire des spectacles, partager cette culture avec d'autres cultures, notamment la culture suisse, la culture européenne. Et moi, c'est un peu ma vision de la culture, un peu ma vision de l'intégration, parce que nous sommes des Africains, nous sommes venus en Europe. Et pour moi, c'est l'idéal, c'est que nous partageons notre culture, parce qu'on a beaucoup à donner, c'est beaucoup à répondre. Et ne pas rester sur nos acquis, parce que pour nous, ça serait, voilà, c'est pas gagné d'avance. Voilà, c'était l'intervention de Doudou Sticker, un garçon qui travaille, qui fait un travail monstrueux, comme je disais tout à l'heure. Franchement, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de votre soutien et de vos bénédictions. Alors Doudou, un dernier mot à l'endroit d'ipipole.com, parce que ipipole.com, c'est le site du buzz, c'est le site du Ramdam. Alors, t'as un petit message pour le site. D'abord, je suis d'accord avec le site Ipipole, qui est un site voilà, qui est vraiment la vitrine de la culture africaine. Parce que Ipipole, c'est quoi? Pas seulement sur des shows ivoiriens, mais aussi sur des shows, que ce soit camerounais et tout ça. Voilà, je remercie toute l'équipe Ipipole, que ce soit Benito, que ce soit Stéphane Etienne, que ce soit David Krabé. Je remercie tous. Et puis, je leur dis courage. Et puis, nous, à notre niveau, on va essayer de travailler avec Ipipole, travailler pour Ipipole et qu'ensemble la culture voilà, soit plus grande, quoi, culture africaine. Je vous remercie. Merci, c'était le Benito Show. Ciao.